Mais il reste une attaque là. Ça a été vite là cette fois-ci. Stop ! Stop ! Temps mort. Vous allez voir vos stats un petit peu pour voir ce que ça donne. Écartez-vous un petit peu, prenez chacune un espace pour pouvoir amener votre équipe. Les verts à ma gauche, les jaunes à ma droite. Allez voir vos résultats. Là-bas. Là-bas, c'est que vous avez combien ? 14-4. Mais ça donne quoi au niveau des pubs de balles là ? Pas beaucoup. 2 et 2. Dans les deux. Pas tant que ça, ça va encore. Okay. Vous allez autour de votre coach pour voir vos résultats au niveau des pertes de balles. Vous avez perdu combien de ballons sur 8 attaques ? Les jaunes. Tu sais ou pas ? Non. Non mais juste une chose, c'est pour dire qu'en fait, on a cette équipe-là, l'équipe des jaunes, qui est en train de faire des tirs, mais vous n'êtes même pas intéressé au résultat de votre action. Là, première chose. Deuxièmement, est-ce que les rôles ils ont été répartis pour le match suivant ? Tu sais ce que tu fais au match suivant ou pas ? Alors pourquoi vous tirez au panier ? C'est tout. On ne tire pas au panier. On s'organise, on n'a pas beaucoup de temps, on a peu de temps au niveau des séances, donc vous vous organisez pour que ça fonctionne. Dès que vous avez fini un match, vous allez autour de votre statisticien, votre coach, vous regardez vos résultats, lui l'indique et les responsabilités suivantes doivent déjà être prévues. Okay ? Donc là, on démarre la dernière phase. J'ai une question à poser au rouge, Léo. Combien vous avez perdu de ballons sur 8 attaques ? C'est tout, je ne vais pas aller plus loin. Est-ce que tu sais, Pauline ? Alors, vous avez des statisticiens qui ont pris des résultats. Moi, je vais vous noter sur votre rentabilité en attaque. OK ? Est-ce qu'on a les résultats ici ? Ça donne quoi ? Nombre de... On a les résultats. Nombre de pertes de balles. Est-ce que tu les as comptés ? OK, stop. On va s'arrêter là. Je veux que vous soyez sensible sur le dernier match au nombre de ballons que vous perdez sur 8 attaques. OK ? Le résultat, il est important, mais j'aimerais bien que vous sachiez le nombre de ballons que vous perdez. Plus vous perdez de ballons, plus votre niveau il est bas. OK ? C'est tout. On arrête. Il n'y a pas de balles pour l'instant, rien. Deux sur combien d'attaques ? Du coup, ça donne quoi alors, tu disais ? 28 à 34 pour les... Et au niveau des pertes de balles, on peut voir un petit peu ? À la fin, c'était... Ok, donc là, on pourrait éventuellement remplir... Ah bien, c'était, on essayait sur la zone avant. À chaque fois, la balle est arrivée dans la zone avant. Le nombre de pertes de balles, on en a une ou deux. D'accord. Donc, ça va, ça peut être correct. Là, ici... Okay, le score final, on aurait pu le mettre, mais on est assez pressé. 2-3 pattes de balle aussi. Et le score, tu l'as noté là sur ta feuille. 34. Et donc, si tu manques un truc, quand tu gagnes, tu... En tout. Gagne. Ok. Tu entoures ici ton score. Combien de pattes de balle en tout ? Dernier match, je crois. 3 pattes de balle ? 2-2. Les deux derniers, on a fait 2-2. On a combien de pattes de balle au premier ? 4 pattes de balle. 4 pattes de balle, vous en perdez. Au premier, sur les deux périodes, on fait 2 pertes de balle.
Et puis à la troisième, on fait 4 pertes. 4 pertes.